avec Nestor Combe. Nestor, oui. Merci beaucoup déjà d'avoir accepté cet entretien. Nestor, d'abord, j'aimerais savoir comment un jeune homme de 18 ans part tout seul, tout d'un coup, de son pays natal, l'Argentine, pour se retrouver en France et plus précisément à Lyon. Mais c'est simple, vous savez, comme tous les pays pauvres, que ma famille était pauvre, on n'avait pas de jouets, on n'avait rien, on pensait que des ballons comme ça, ils jouaient dans la rue, on s'allumait comme ça, il n'y a plus, bon, il n'y avait que ça. Et j'ai eu la chance quand même de réussir à venir dans l'Europe, surtout à Lyon. Et ça, c'est pour moi, c'était mon grand avenir, parce que je rêvais de ça. Des fois, je le dis à ma femme, si c'est un rêve, je ne voudrais pas me réveiller parce que c'est tellement extraordinaire ce qu'on a fait. Vous vous adaptez assez rapidement. Vous savez, quand un garçon veut se lever la rue et qu'il n'y a pas des études, mais il y a l'intelligence. Et si tu as l'intelligence, tu t'en sortiras toujours. On peut pas les servir. Former un superbe duo offensif avec Fleury Dinalo, dans une équipe où il y a également notre Argentin, Rambert. Oui. Le père Youri Djorkaeff, Tchouki. Oui, bien sûr. Et en 64, finale de Coupe de France, Lyon 2, Bordeaux 0, doublé de Nestor. Oui. Oui, c'est vrai que c'est un grand souvenir pour moi. Et justement, je venais me pousser avec ma femme. Et c'est le meilleur cadeau que m'a pu donner la vie, hein, parce que ma femme d'abord, et puis la gloire. La gloire, c'est... Enfin, pas la gloire, mais d'avoir se faire connaître plus dans la vie. Grâce à ces belles années lyonnaises, vous partez en Italie, vous signez à la Juve. Vous restez qu'un an parce que vous vous entendez mal avec le président ou l'entraîneur. Et en plus de ça, j'étais blessé assez grave. Pas grave, le perron est cassé, je jouais tout le match, il ne me croyait pas que j'étais blessé grave. Et bien, le lendemain, on a fait une photo et on a radio, quoi. Et ils ont trouvé qu'il était cassé. Alors, le club, la Juventus, il m'a donné la médaille d'honneur. C'est comme celui-là qui retourne de la guerre, non? Après ça, vous allez à Varese? Il me prête à Varese, parce que je ne voulais plus rester avec lui. Je lui dis au président, au lui arrête, ou je m'en vais. Mais d'où c'est que tu m'as envoyé, j'avais joué que 6 mois. Mais malgré tout, vous gagnez le droit de participer à la Coupe du Monde 66. Avec l'équipe de France, et là, entre-temps, vous avez pris la nationalité française. Exactement, j'avais fait le service militaire, d'abord, je me mariais avec ma femme en janvier, et au mois de mai, je partais à l'armée avec Dinalo, tous les deux ensemble, en 21 juin. Vous savez qu'entre-temps, on a joué avec, on a fait tous les 3 jours, on faisait un match. Et tout le monde se plaignait. Maintenant, aujourd'hui, je vois se plaigner, ils se fatiguer des voyages et tout ça. Mais nous, on était en troisième classe, en train. c'était plus difficile. Cette Coupe du Monde, vous avez juste joué le dernier match, je crois? Non, c'était le premier match contre le... Mexique? Oui, Mexique, 0-0. Oui. Mais la première mi-temps, moi, je fais jouer les droits, j'ai touché deux ballons. Deux ballons, je touche la première mi-temps. Vous savez comment c'est les avant-centres. Hein, les attaquants de la pointe, s'ils ne marquent pas des buts, on est là pour ça, pour marquer des buts. Mais comme l'a dit mon ami, là, enfin mon ami, c'est là que je connais, là, que je me vois pour. Ce sont des gens qui ne comprenaient pas trop le football. Il dit que Benzema, il est plus fort que Zidane. Moi, pour moi, Benzema, il est plus fort que Zidane. Pourquoi ça? Parce qu'il est plus efficace pour le club. Alors là, il ne marquait pas de but équipe en France. Je dis, si vous ne donnez pas des ballons à l'attaquant, comment vous voulez que. Hein? Comment vous voulez qu'il marque des buts ces jeunes? Comment? Et là, il a marqué 2, là, je suis content. Comment vous expliquez qu'un si grand buteur comme vous, n'ait eu, vous n'avez eu que si peu de sélections en équipe de France?
comme je vous expliquais, vous savez, en Italie, il y a la Coupe d'Italie, il y a le championnat, il y a la Coupe d'Europe, parce que les grands clubs, ils sont toujours qualifiés, tous les années, ils sont qualifiés pour faire une Coupe. Effectivement, on jouait tous les 3 jours, 4 jours, vous voyez. Alors, il faut avoir le temps. Alors, le club, il y a 7 ans, c'était pas le football français, la fédération. L'équipe de France, c'était pas organisé comme aujourd'hui. Avant, il n'y avait rien. Ils disaient, bon, on le laisse là, et puis on prend une autre qui est plus près, ça coûte moins cher. Les frais, tout ça. C'est comme ça. C'est pas un regret? Non, je t'ai heureux, parce que il faut se dire une chose, que dans la vie, pour vivre heureux, il ne faut jamais oublier le passé. D'où vous venez? Je joue bien. La misère. Après ça, vous signez majuscule, avec grand majuscule. Vous signez au Grand Milan CF avec notamment Gianni Rivera, Futurban d'Or. Schnellinger, arrière central de l'équipe de l'Allemagne. Et Nereo Rocco, l'entraîneur. C'est lui qui m'a pris. Il m'a pris à Turin d'abord. Et le père de Paolo Maldini aussi, non? Il n'y avait pas Cesare? Bien sûr, Cesare, c'est un grand ami à moi. Y con nosotros, Néstor Conven, argentino. ¿Contento de estar nuevamente en su patria? Muy contento porque fue la primera vez que voy a jugar en un, digamos, en una cancha que siempre he soñado cuando era chico. Hacer ver más... ¿Es un lío hablar en español para usted ahora, no? Sí, me siento un poco con dificultad. De todas maneras digo que soy muy contento de venir aquí a la Argentina después de 7 años que me faltaba. Rosato, la tira práctica se muestra. Malvernaca arriba de él. Prati, Ormani totalmente libre. Se va totalmente solo, va a marcar el gol. Ça va. On va retracer le contexte. Vous gagnez 3-0 à l'aller. Oui. Et au retour, vous perdez 2-1. Mais vous êtes accueilli comme un traître, on va dire, par les Argentins. Oui. Exactement. J'ai lu un article que, à votre entrée pour l'échauffement, tous les joueurs, vous avez reçu du café brûlant. Les plateurs vous ont jeté du café. Le gardien a été suspendu à vie. Oui, parce qu'il a donné un coup de pied dans la colonne avec toi. À Pierino Prati, le Diego, un très bon joueur. Et vous avez reçu J'ai reçu un coup de coude. Un coup de coude qui vous a cassé. Il m'a cassé ça et j'ai perdu tous les dents de l'homme, sauf tomber. Et suite à ça, vous sortez sur ce lien. Et la police argentine vous menotte. Et pourquoi? Et pourquoi c'est simple? Je vous explique pourquoi. Parce que quand j'ai quitté l'Argentine, j'avais 17 ans et demi, j'étais pas majeur. Ces temps-là, l'Argentine, l'Allemagne et la France, c'était. On pouvait faire. La personne pouvait dire oh, je fais l'armée en France, ou je fais l'armée en Argentine, je retourne en Argentine. Et bien, comment je me marie ici? Tout ça, je fais l'armée ici. Ça n'a pas été compris avant. Mais attention, avant de partir, je vais voir le consulat argentin, à Milan. Non, je m'excuse pas, Milan. À Marseille. Vous êtes argentin, il n'y a pas de problème, tout ça, si là. J'ai dit, tenez, mon livret, je dis, parce que si je vais là-bas, je connais bien mon pays aussi. Hein. On ne sait jamais. Je lui donne le livret des militaires. Il fait des photos, il fait tout. Hein, pour donner, pour me dire que j'ai fait l'armée en Argentine. Et tout va bien. Alors je dis, avant partant, je dis à monsieur Corfu, je dis, est-ce que je peux porter le livret militaire? J'ai une honte, mais c'est même pas la peine. Je dis, moi, sans défait, peut-être, j'ai jamais le passage.
Moi, je dois faut porter ça. J'entre dans la maison, je dis à mon papa, mon pote, ça va passer comme ça et comme ça, qu'est-ce que tu penses? Et nous, comme on avait un ensemble du club, avec la veste, le chaud, tout ça. Ma femme, il m'a fait la doublure de la veste, il m'a mis les lames, et à tout de suite, là, je ne sais jamais. Et heureusement, forcément que il m'a porté ça comme preuve, quoi. Sinon, vous avez fait deux jours de détention de travail. Oui, oui. Et puis en plus de ça, c'est que c'était méchant vis-à-vis de moi. Me traiter de traite, me quelles sont vos relations avec votre pays d'origine? Non. Vous avez tourné la page? Non, je n'ai pas tourné la page, je suis régulier. Mais je veux dire, si vous voulez, je m'ai resté. Ma famille intime sont tous décédés, ma mère elle est morte. Et c'est la chose la plus grande chose que j'ai. La plus grande tristesse de ma vie, ma mère. À faire bonne santé et à réussir à faire quelque chose. Et c'est grâce à ma mère. Vous étiez d'ailleurs au stade ce jour-là? Non, ma mère n'est pas venue à Buenos Aires parce que ça faisait loin, elle était un petit peu plus fatiguée. C'était à la Bombonera le match. Oui, à la Bombonera. Au stade de Boca Junior. J'ai eu la revanche quand j'ai joué Torino Juventus. Justement, j'allais y venir. C'était quelques jours après le décès d'un coéquipier. Un grand ami à moi. Ironie, c'est ça? Ouais, Gigi. Qui a été fauché par une voiture. Je suis avec lui, j'entends des voix en bain avec lui. Il me dit, tu viens à la maison? Je dis, non, on peut un coup là, et lui, il habite en face. Il me dit, viens, on va un coup, Nestor. Je dis, non. Je entre à la maison, je me s'habille, je vais mettre tes pyjamas, je vois mes enfants, ils dorment déjà. Et je mets la télé, 5 minutes après, j'arrive. Elle m'a dit, c'est Philippe, un garçon, qui était son porteur de la Juventus, mais on a fait une amitié avec. Il avait sa femme, il a fait l'amitié avec ma femme aussi. Il a dit, oh là là, je m'excuse de te ranger, mais il est arrivé un grave accident à Gigi. Il dit, oh, comment, il a battu. J'ai le laissé, il est traversé. Il a traversé le boulevard. Tu sais, il y a deux allées comme ça, et deux allées comme ça. Et lui, juste au milieu, il était de la ligne. On l'a battu, elle a bousculé, et il a jeté l'autre côté, la voiture est écrasée. Et le destin veut que le jeune homme qui l'a percuté, ouais, avait son poster dans sa voiture. Bien sûr, c'est un grand fan du Toro. C'est un grand fan du Toro. Il était avec un autre joueur qui s'appelait Poletti. Fabrice. Il avait reçu un coup sur la jambe. Ça vous a marqué cet événement? Ah oui, mais mon grand ami. Alors j'étais immédiatement à l'hôpital. Et je voulais savoir s'il était vivant. Alors une personne est centrée. Je me suis collé. Et avant d'arriver à la porte comme ça, se ouvre les portes, il s'assort l'oxygène, il sort dehors. C'est grave, hein? Mais comme ça, mec. Le match qui a suivi, en fait, le... T'aimais beaucoup Gigi, hein? C'était un fantastique, lui. Lui, c'était un garçon fantastique. Lui s'habillait, c'est lui qui dessinait ses costumes. Il avait une voiture verte, décapotable, vert, criant. Hein. C'était notre sort. Mais alors, il s'est laissé la femme, comme aujourd'hui, avant, c'était sur lui. Il avait un chapeau noir, comme ça, j'ai la photo à la maison, d'ailleurs. Il y a un Argentin qui jouait à... Il était professionnel, il était bon joueur. Hein. Il jouait à Strasbourg. Farias. José Farias.
Et je le crois sur le train, il me dit, comment tu vas, ça va? Il dit, ouais, ça y est, j'arrête, j'entre dans mon midi tranquille, tu vas me reposer un tout petit peu. Parce que, tu sais, on dit, c'est facile d'être connu. Mais c'est difficile déjà d'être connu. Mais après, il faut tenir les événements. Parce que être quelqu'un, si tu ne tiens pas l'auteur, on te prendra toujours pour un prétentieux. Pour, tu vois, que le passé il est fini, tu ne penses plus, tout ça. Là, tu vois. Et je dis, ben, écoute, bon, on va laisser comme ça. J'ai dit j'arrête, t'arrêtes pas, écoute-moi bien. Il aurait des stades, il descendait en deuxième division. Il me dit, tu viens, ça t'intéresse, je vais en deuxième division. De toute façon, on parle plus. Tout ce que tu gagnes à Metz, tu seras pareil. Pareil. J'ai un président qui est le maire de la mairie de Saint-Ouen. Il m'a dit, que, je ne sais pas ce que tu gagnes, mais ce que tu gagnes dans ma messe, c'est tout ça comme ça. Tout. On vous a facilité la tâche. Je dis à ma femme, attends, je vais parler à ma femme, je vais dire, je vais parler. Je suis fatigué, tu sais. Non, je m'en fous. Je veux que tu viennes, tu vas monter en première division. Je ne sais même pas de qui vous parle. Quel souvenir. J'ai dit, tiens, je vais parler à ma femme d'abord, je dis, parce que oh, je suis comme Colombo, hein. C'est pas là, et ma femme. Hein. Et puis, je dis à Colette, qu'est-ce que tu penses qu'on y va à Paris? Mais à Paris, pas bien un appartement. Hein. En gagne les bains, tu vois, je vais te dire. Un pavillon, Magnifique. Ah oui. J'avais changé, sur ce côté-là, j'avais changé de style. Hein. Et il me dit d'accord, me dit ma femme, d'accord. Je dis, de toute façon, moi, il y a là-bas, on va jouer, mais deuxième division, mais on va sortir, on va au théâtre, on va. On va profiter de la vie. On va profiter de la vie. Parce qu'elle aussi, elle a fait des sacrifices sur mes enfants, et tout, tu sais comment c'est. Et voilà qu'on est parti comme ça. Il était là-bas. Je finis meilleur buteur en deuxième division, on a monté première division. Après l'arrivée de Magnusson, vous voyez que. Je me suis mis en pauvre. Il n'avait plus de genoux. Il arrivait comme ça. Rien, il ne pouvait pas jouer. Dinalo, il arrivait aussi. Dori. Il était vieux déjà. Vous terminez hier en CFA. Et je crois que vous éliminez le Montpellier du Nouveau-Nicolet. Exactement. Il avait une peur terrible. On est au stade. Et ma femme, mes enfants, ils sont venus. Il y avait les gitans. Il y a un certain mec là qui est mort là, qui s'appelait. Comment il s'appelait déjà, Colette? Bernard. Bernard. L'ami de Nicolas. Pour dire. La différence. Il avait pris des gitans et tout ça avec des lances, avec des clous comme ça. Il y avait ma famille là. On vous est prisonnier? Non, quand on est très jeune à l'unel, le match est retour. Gassé, ouais. Gassé, qui est sur le pays. Père de Jean-Louis Gassé. C'est pas sain tout ça. C'est bien. Je fais pas la. Oui, oui, là. Je fais pas attention à ces gens. Et voilà, comment ça va venir. Après Nicolas, il m'a dit, tu vas faire l'anniversaire d'un grand ami à moi, que c'était un très grand champion, ça s'appelait Michel Jazzy, athlétisme. Athlétisme. Il me téléphone, il est à Aix. Il jette à Toulon, il me dit, tu viens pour mes 50 ans?
c'est pas lui. Je dis bien sûr, comment non. C'est un vrai honneur pour moi. Vous êtes devenu ami avec Louis Nicolas après par la suite. Que je vais arriver à lui. J'attaque. Parce que moi. Bon, niveau là-bas, où tu vas gérer? Je regarde l'heure. 11h. Ah, on a fini la béton. Arrivé chez Nicolas. Il est là. Tu viens avec moi, tu suis là, comment tu vas, tu fais rire, tu fais ça. Ça veut dire qu'il traitait les gens comme tu sais, comme on traite les mecs qui travaillent chez lui, tout ça là. Il fait la même chose qu'avec les entraîneurs qui s'occupent des jeunes. Hein, tout ça, là, c'est une forêt. Bon. Il est là pour ça. Toute la journée, à côté de moi, il me dit, tu viens à Montpellier, sur un mec comme toi, que je vais pas faire, je veux dire. Il me dit, tu vas t'occuper des jeunes, tout ça. Les jeunes, moi, que tu vas m'occuper, je m'occupais moi, quand j'étais jeune, je m'occupais des jeunes. Non, mais il y a autre chose. Je dis, si tu veux, il y a un truc que je peux faire pour toi. Tu m'envoies tous les 3 mois à l'Argentine. Et je vais aller voir dans les chambres. Je ne sais pas. Comment je sortis moi. Dans la rue. Et moi, je ne t'ai pas miné. Moi, je te demanderai des bons joueurs. Ah, mais dis, c'est comme ça, ça m'intéresse à toi. Oui, d'accord. Jamais. Jamais faire. Non. Pour ça, je te ris là. Et après, je dis à ma femme, bon, allez, on s'en va. Belle maison à Toulon. Je ne pas vous lui téléphoner à la semaine. Il saute, je ne sais pas si tu l'as connu, la maison qu'il a fait à nous. C'était mon ami. Ah, c'est mon ami. C'est la maison Zévenol qui faisait ça, qui est avec Mario là-bas. Et j'étais bien copain avec lui, tu vois. Oh. Alors il me dit, oh Nestor, comment va? Je dis, non, ça va, je me tire. C'est pas mon ambiance. L'ambiance, c'est pas pour moi. Alors, il me dit, il n'y a rien du tout ici. Mais Nestor, tu connais pas bien l'environnement, tout ça. Je m'en fous de mieux. Il dit, écoute-moi, t'as un peu d'argent? Il dit, un peu d'argent, ça va. Oui. Et alors pourquoi? Je te ferai visiter. Il y a un petit terrain là-bas. Bon placement, tu vois. Miramar. Je trouve ce Miramar là. Mais pas loin de la mer. Je ne connaissais même pas. J'habitais à la rue principale, à Montpellier. On vivait à rue Maguelone, à 50 mètres de la place de la Comédie. Grand appartement. J'ai dit, bon, je vais voir. Alors j'étais allé là-bas. On vient de voir avec ma femme, une terrine. Alors lui me fait, tu achètes le terrain, je te fais la maison gratis. Mais je te fais la maison gratis, tu payes le personnel que j'embauche et le matériel. Et puis vous êtes installé là-bas. Et puis, c'est que mon fils, c'est le plaisir, Miramar, mon fils. Alors on a resté un peu, il va jouer au boule, il a ses copains, il fait des concours, j'aime ça. Et j'ai ma femme, on a resté là. Ma fille, elle est mariée, mais lui il n'est pas marié, il vit avec nous. Hein. Bon, je dis, écoute, on en reste. Hein. Et en 2011, le complexe sportif de Miramar, justement, a pris votre nom. Ça fait quoi d'avoir un complexe à son nom? Disons que pour moi, et surtout que je suis pas de la région, mais pour moi, c'était quelque
quelque chose de très fort. Très fort parce que ça faisait pas beaucoup des années que j'étais là, et puis le jour au lendemain, le maire me dit, voilà, ils sont venus des députés, ils sont venus des gens de la région, régionale, pour me faire ces... C'est terrible, c'est terrible. Ça sent que vous avez marqué votre époque et que vous êtes... Que je suis connu encore. Bien sûr, la preuve, on est là pour faire cette interview. Voilà. C'est ici, heureusement. C'est le meilleur heureux. Parce que maintenant je m'occupe de ma femme. Et je suis toujours pas là, et j'ai comme un amour. J'ai toujours avec elle, on voyage beaucoup de voyages magnifiques. Un instant est heureux, profite de la vie. Ouais, je profite. Tout ça va, ils sont grands. Moi, le pivot, en principe, il ne faut jamais oublier le passé. Le passé, il ne faut jamais l'oublier. Même si tu es dans une situation, disons, financière qui est stable, plus que stable. N'oublie pas cela là qui t'en fait beaucoup de bien. C'est simple. La vie, c'est simple. Ciao. Contrarié. Allez, passons l'autre. Pour terminer, votre meilleur souvenir dans le football. Le plus beau souvenir de ma vie, c'était le... Mais oui, c'est quand on a gagné la Coupe de France. La Coupe de France. Ah oui, pour moi, oui, parce que ça faisait pas longtemps que j'étais marié avec ma femme. C'était le mois de janvier et le mois de juin, juillet, c'était... On a fait la finale. C'est ça qui vous a révélé aux yeux du monde du football, en fait. Ouais, ouais. Cet exploit-là. Oui. Mais attention, je vous dis une chose, que si j'étais à la Juventus, parce que dans ces temps-là, les dirigeants, faites ce que vous voulez avec vous. Vous savez ce qu'ils m'ont fait là? Je le suis quand on fait un match contre le Real de Madrid à Grenoble, un match amical. Avec la Juve? Non, avec Lyon. Avec Lyon. Santa Maria, Soco. Quinto, Alfredo Di Stefano, un grand ami à moi. On a déjeuné le lendemain, on a déjeuné ensemble. Avec Copa, à Ciotta, non, non. Non, non. Avec Rian. Eh bien, connaître M. Di Stefano. Argentin aussi, l'origine. Eh bien, Argentin aussi. Et un autre aussi que je connais, Maradessa. C'est le grand patron, le grand roi. C'est un grand ami. Tu sais, qu'est-ce que c'est? C'est Pelé. Non, parce que j'ai vu une photo que vous avez fait à Platini pour 10 ans. Pelé, excusez-moi. Magnifique comme ça, on est décontracté comme ça. C'est un mec extraordinaire. C'est ça la gentillesse. Avoir, c'est, tu le sens, tu vois, quand tu es honnête. Et ça c'est... Il n'y a pas de prix là. Tu ne fais pas calculer. Et tous ces gens-là, c'est des souvenirs magnifiques. Grâce à quoi? Grâce au football? Pas grâce à ma gueule. Tu vois? Alors ça veut dire quoi donc? Que si tu es quelqu'un, tu es connu. Si tu n'es pas quelqu'un, personne ne te connaît. C'est ma fête, c'est comme tu l'as dit. Ça vous a permis de rencontrer beaucoup de... Et d'artistes, si on les connaît. Ils sont décédés d'ailleurs. Je connais beaucoup dans le monde du cinéma, tout ça, je connais beaucoup de marques. Et des fois, tu sais, maintenant tu mets, il y en a beaucoup qui sont dans la simplicité, qui vivent avec ces soucis. Mais qu'est-ce que c'est tout le monde? Aujourd'hui on mange, demain on ne mange pas. Bienvenue. C'est comme ça que vous avez tout connu, vous. Oui, tout. Pour se prendre au début de votre vie. Moi, je dis que Noël, le jour de l'an, et les anniversaires, je ne connais pas. Jamais connu. Si, oui, j'ai connu ma femme. Avant,
Parfait. Merci d'être. D'accord alors. Ouais, c'est parfait. C'est très bien. Parfait, je sens la main. Vous voulez pas voir quelque chose, non, les gars? Merci.